les gens, c'est Marshmallow LPS. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a la démo de Kingdom Hearts Melody of Memory qui est sortie hier. J'ai eu le temps de le tester un petit peu et je voulais en faire une vidéo puisque Kingdom Hearts c'est un peu mes licences. Kingdom Hearts pour moi c'est ma licence favorite de tout jeu confondu. Et un jeu de rythme comme ça, je voulais en faire une vidéo tout simplement. Mais en tout cas là on va tester la démo ensemble. Donc j'ai eu le temps de le tester, putain déjà rien que l'écran d'accueil avec Kairi et Sora c'est trop beau. Mais j'ai eu le temps de le tester environ 2h30 le jeu, et il est vraiment bien. Alors c'est mon premier jeu de rythme, alors faut que je tryhard un petit peu pour que je comprenne les touches. Putain c'est trop beau. Cette musique, pour les fans de Kingdom Hearts, je peux vous dire, elle représente quelque chose pour moi. Bref, on l'a sur tous les thèmes d'accueil. Et là, ils l'ont un petit peu remasterisé. Donc là, on va se retaper tout le tutoriel, entre guillemets, puisque ça sauvegarde pas dans les démos. Donc ça tombe bien pour cette vidéo. Donc là, on nous remercie d'avoir téléchargé la démo. Donc on va passer à la pratique maintenant. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de musique dans le tutoriel. Donc là on va nous apprendre les touches, donc appuyer avec, sur A pour les ennemis, on peut appuyer sur L ou R. Et les coéquipiers attaquent avec ce bouton aussi. Voilà, quand il y a deux ennemis, L et R, ou comme ça, L, A, et quand il y en a trois, c'est L, R et A. Voilà. Là les petites boules comme ça de magie, c'est X. Voilà. Là, on a le bouton de saut sur B. Hop, pour esquiver les attaques ennemies de loin. Et là, on appuie sur B et A pour avoir une attaque en l'air. Là, on va planer en l'air en faisant ça. On peut bouger avec le stick directionnel de gauche. Et on relâche. Parfait. Maintenant, c'est le moment de pratiquer sur la musique. C'est parfait. Allons-y. Donc, c'est parti. Donc il y a un cercle indicateur ici et il faut avoir faut que le cercle soit fermé pour avoir des excellents. Donc c'est dur de parler sur un jeu de rythme. Les musiques de ce jeu, putain. Je vais essayer d'avoir que des excellents, mais c'est pas facile. Raté, putain. Raté dans le tutoriel quand même, ça me fout les boules. Tac, hop, hop, tac. Bien. Attends, par contre, j'ai que des biens là, ça m'énerve. Je me souviens pas dans quel Kingdom Hearts cette musique, je sais pas du tout. Peut-être dans Birth by Sleep ou un truc comme ça, je vais passer. C'est assez compliqué de maîtriser les combos de touches au début, mais après ça vient instinctivement, je sais pas si ça a été clair. Et quand il y a un chiffre sur l'ennemi, c'est qu'on doit le taper le nombre de fois qui est indiqué pour l'avoir. Et LR et A pour finir. D'ailleurs là il y a le niveau de la course ici qui s'affiche en bas. Et quand on est arrivé au bout, bon, bah, c'est que la course est finie. Il y a les combos à la chaîne en haut. On a le niveau de vie en bas à droite. Non, on va pas le rejouer le tutoriel. Réussir un niveau vos HP, donc le niveau de vie. Diminue à chaque coup raté, ça on le sait. Pour éliminer certains ennemis, il faut attaquer plusieurs fois, c'est ce que je vous disais. Donc pour l'instant, comme c'est qu'une version démo, on a accès qu'à la coop ou à la configuration et aux morceaux au choix. Il y en a 4 morceaux au choix. On peut changer la difficulté, donc on va prendre standard. On va prendre le premier qui est le plus facile en mode standard. Ok, on est bon. Ah putain, mais putain, mais que t'es mort. C'est chiant. J'ai mis ça trop fort en plus. 100% ça va saturer la vidéo. Voilà, là c'est mieux. Hop, hop, hop.
Non. C'est chiant. Un petit peu chiant. Ça y est, je commence à gérer ça. Je reprends la main. J'ai loupé. Je sais pas quelle note on aura, moi je pense un C. J'ai loupé une attaque. Chaque fois je vais appuyer sur Y, mais c'est pas ça. C'est pas instinctif en fait le bouton. Ok, c'était de la bouse, je pense qu'on va avoir le score D là. Bref, ça me fait un peu peur pour les prochains, puisque sachant que celui-là est le plus facile normalement. Score C. Ça va encore. Pour quelqu'un qui a jamais touché à un jeu de rythme. Ending End, c'était dans la ville de Traverse. Et d'ailleurs, cette musique, elle me rappelle quelque chose. Mais j'ai jamais fait le premier Kingdom Hearts, alors je sais pas pourquoi cette musique me rappelle un truc. Oh, c'est pas la musique du vaisseau Gummy dans le 3. Ça me dit quelque chose, mais je la connais trop bien. Je crois que je vais aller dans le cercle pour avoir des excellents, mais ça me joue des tours. Je joue très mal. Hein. Wow, ça craint. Je vois des joueurs, ils jouent à deux manettes dans le mode coop, et puis t'as moi. Je vous montrerai la vidéo. Ça manque un peu de trailer, là, on voit. Une des meilleures musiques de ce jeu, je pense. C'est un petit peu chaud parfois à attaquer, j'ai l'impression que j'appuie mais que ça marche pas. Oui, c'est la faute de la manette, parce que ça, quand ça marche pas. On n'aura pas un A, je pense pas, ou alors il va falloir aller dans le mode débutant. C'est un petit peu chaud. Mais bon, je suis sûre qu'en tryhardant un peu, hein, hier, je jouais bien, alors bon, j'aurais dû tourner ma vidéo hier. On a fini celui-là, je pense qu'on va avoir un score C, je pense, pas plus. Je m'attends pas à plus. Le dernier niveau, il est assez compliqué, je trouve, donc on va le faire en mode débutant. Ouais, score C. Revenir au menu. Celui-là, on va le faire en dernier et en mode débutant. Celui-là, il est un peu plus compliqué, donc si j'y arrive pas, on prendra le mode début. Allez, c'est parti. Sinon, le jeu, il est vraiment bien. Je pourrais y passer des heures et des heures. Des fois je loupe des attaques, je comprends pas comment puisque j'appuie sur le bouton. Ou alors quand on attaque je sais pas. Oh putain, je suis vraiment nulle à jouer. C'est insupportable.
J'ai aucun sens du rythme. Pourtant c'est le but du jeu. Oh là là, il y a des ennemis. Putain, à quel niveau. Le truc avec les notes, à chaque fois qu'il y a des ennemis qui pop sur le côté, c'est horrible parce que tu dois contrôler Sora et regarder en bas en fait ce qui se passe. Donc c'est un petit peu chaud. Putain. Je me rappelais pas de ce truc là. Mais je me rappelle pas. Est-ce que je l'ai fait au moins en mode standard ce niveau? Oh là là. Et j'ai perdu. Putain, on est arrivé à la fin du niveau. D'ailleurs, on a de l'XP juste ici. Donc on peut monter un niveau. Donc voilà pour l'anecdote. Ça c'est le menu, merci d'avoir joué, mais non. J'ai pas fini. Donc on va faire le Wave of Darkness. On va le faire en mode débutant déjà. Parce que ce niveau il est déjà assez dur comme ça. Et le niveau d'avant on va le faire en débutant aussi, je pense. Une des meilleures musiques du jeu. Une des meilleures musiques de tous les Kingdom Hearts confondues celle-ci. Peut-être dans le 1. Non, dans le 2, peut-être. Je sais plus. Hop. Je suis désolée si je parle pas beaucoup, mais dans les jeux de rythme, ça demande tellement de concentration que je peux pas parler en même temps. Je pense que c'est pour ça que je perds. Hop. Ok, on est bon. Non, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. C'est pas instinctif en fait d'appuyer sur les trois touches. Je sais pas, ça me stresse un peu. Là, normalement, il y a des ennemis qui pop. Ça. Putain. J'ai l'impression que les touches LR, elles bug un peu. Ça vient peut-être de ma manette, hein. Par exemple, moi j'aurais plutôt mis les touches d'attaque sur les grosses gâchettes ZL et ZR que sur les mini gâchettes LR. Enfin, pas c'est mon avis personnel. C'est pas très instinctif d'aller appuyer sur les mini gâchettes. Pas... On n'est pas à l'aise quand on joue, je trouve. Enfin, peut-être moi qui chipote encore. Vous voyez, le niveau, même en mode débutant, il est un peu chaud, donc... Et encore, je le connais, donc maintenant, ça va, je connais à peu près le délire. Et même en connaissant le délire, j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de vie, là. Je vois pas, parce qu'il y a mon téléphone pour filmer. Je vais mourir. Je vois ma vie en bas qui descend. Et du rouge. Si j'arrive à finir ce niveau, on va avoir un score d'ailleurs. Hein. On l'a fini. Ok, on l'a fini avec très peu de vie. Ça devrait être une honte. Ceux qui jouent souvent à des jeux de rythme sont en PLS devant ma vidéo. Score C quand même. Bon. C'est pas négligeable. Après, bon, en mode débutant, voilà. Et on va essayer ce niveau du coup en mode débutant, puisque je suis nulle. Je le prends très mal pour mon ego. Le jeu est dispo sur PS4, Xbox One et Switch. Et la démo est gratuite, si ça vous intéresse. Voilà. Je souhaitais vous dire. Ah oui, et le jeu sort le 13 novembre. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais je préfère mieux le redire. Et Square Enix, c'est quand vous voulez pour me sponsor. Excellent. Bien. Je commence à comprendre un petit peu. C'est un petit peu chaud, hein. Oula. Oula. On est bien. Est-ce que j'ai fait une chose? Thank you.
loupé. J'avais appuyé mais trop tard. Ça, c'est un petit peu chiant. Bon. Ok, on a fini le niveau, la moitié de la vie perdue, bon, autant vous dire que je suis un petit peu nulle. Faut beaucoup d'entraînement hein, pour les jeux de rythme, donc je pense que c'est pour ça. Alors je suis nulle. Score c'est bon. Il y a un mode coop aussi, bon, j'ai personne avec qui jouer en local, mais sinon, il y a deux chansons disponibles pour le local et je vous montrerai la vidéo d'un mec. Il joue avec deux manettes, c'est énorme ce qu'il fait. Et il a un score, mais A ou B, je sais plus. Donc franchement, waouh, je suis choquée. Il avait pris le mode standard en plus, donc voilà. Je vous montrerai ça. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, celle-là. C'est en même temps avec un jeu Kingdom Hearts, donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker avant de partir si la vidéo vous a plu. Et un petit commentaire pour me dire si vous comptez installer la démo ou si vous comptez acheter le jeu carrément. Et me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Bisous tout le monde.